à l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Nous allons lire la parole de Dieu. Let's read the word of God. Marc chapitre 5. Mark 5. Évangile selon saint Marc, le chapitre 5, les versets 25 à 34. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit. Et ce qui, cette parole me dit que c'est une femme qui avait quand même une certaine fortune. She was rich. Et pour que la Bible dit qu'elle a gaspillé tout son argent, she wasted all her money. Ça veut dire qu'elle a cassé son compte, comme on peut le dire aujourd'hui. She took everything out of the account. Et continue. Mais allait plutôt de mal en pis. Avait entendu parler de Jésus. Venant par derrière dans la foule, elle toucha son manteau. Car elle se disait. Ok, j'aime cette parole. Alléluia. On va revenir à la suite. Et voici quelqu'un qui avait toutes les raisons pour se décourager. Who had all the reasons to be discouraged. Elle avait gaspillé tout son argent. She used all of her money. Allant de médecin à guérisseur. Going from doctor to doctor. Mais elle n'avait pas gain de cause. But she didn't get anything. Elle a entendu back. Parler de Jésus. She heard about Jesus. Ah, frères et sœurs. Brothers and sisters, elle a entendu parler de Jésus. She heard about Jesus. J'ai eu la grâce dans ma vie de connaître. I had a grace in my life. Le Père tardif. Of knowing the Father tardif. Et qui est vraiment nous membres du renouveau. A member of the charismatic renewal. On est fier d'un tel prêtre. We are proud of such a priest. Qui a connu beaucoup de souffrances à cause de l'Évangile. Because of the gospel. Il disait un jour. He said. Qu'une femme avait entendu parler de lui. That a woman heard about him. Et qu'il guérissait les malades au nom de Jésus-Christ. That she was healing, he was healing people. Elle est arrivée, mais il n'était pas là. And she came, he wasn't there. Elle est venue à sa maman qui était paralysée. She came when her mother was paralyzed. Alors cette femme, so that lady, la maman s'est dit. The mother said mais to herself, si le Père tardif n'est pas if là, the father tardif is not here, Jésus est là. Jesus is still here. Jésus est là. Jesus is there. Jésus est là. He is there. Elle est allée au tabernacle. And she went to the tabernacle. Elle a dit à Jésus, and she said to Jesus, le Père tardif, ton serviteur the father, n'est pas là. Frères et sœurs, nous ne sommes que des instruments de Dieu. We are only instruments. Nous ne sommes pas Dieu. We are not gods. Alors, elle a dit à Jésus, il n'est so pas là, said, mais toi, tu es là. He is not here, but you're there. Elle a laissé sa chaise roulante, elle a commencé à marcher. And she left the wheelchair and started to walk. Cette femme s'est dit en elle. She said to herself. C'est-à-dire qu'avant même de toucher Jésus, before touching Jesus, elle s'est dit en elle. She said to herself. Je dis souvent que le miracle n'est pas quelque chose d'extérieur. The miracle is not something outer. Et beaucoup de chrétiens me disent, on and a prié, j'ai prié. We voici have telle difficulté. This is a difficulty I'm encountering. Mais cette femme s'est dit à l'intérieur. But she said inside le herself. Le miracle se trouve à l'intérieur. The miracle is inside. Si tu ne le vois pas, tu ne le verras pas. If you don't see, you're not going to see. Quand moi je demande quelque chose à Dieu. When I ask something to God. À Dieu soit la gloire, poussé so par le Saint-Esprit. Guided by parce the que quand le Saint-Esprit te pousse à demander quelque when chose the Holy à Dieu, pushes you to tu ask vois something, déjà cette chose. You see that thing already. Et tu pries dans une assurance. And you pray into the insurance qui peut dérouter l'homme intellectuel, l'homme savant. That can lose parce qu'il ne comprend pas. Because it doesn't understand. La Bible dit ceci. The Bible says, la foi est une ferme assurance. The faith is an insurance. Une ferme assurance. An insurance. Des choses qu'on espère. Of the things we are hoping for. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. A demonstration of the things we do not see. Continue, Sarah. Elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Mais est-ce que vous faites attention à ce mot? Do you pay attention to that word? Et je m'appuie beaucoup sur ce test pour expliquer le ministère de miracles, to le ministère the ministry of miracle, of healing. Mais parce que cette femme ne pouvait pas arrêter Jésus. Because she couldn't stop Jesus. Il y avait une foule nombreuse. There was such a crowd.
Elle ne pouvait pas dire à Jésus, occupe-toi de moi seul. Take care of myself alone. Voyez combien de personnes viennent voir les How serviteurs. Many people come to see the servants. Poor servants we are. Mais cette femme, But that lady, elle est venue voir Jésus. Continue. She came to see Jesus. Et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fut tarie. Mais pourquoi cette source est-il Why did the source got dry? Parce qu'elle s'est dit. Because she told herself. Si seulement je If touche only son vêtement, I touch his clothing, je serai guérie. I will be healed. Et elle a été guérie. Continue. And she was healed. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Et aussitôt, Jésus eut conscience de la force qui était sortie de lui. Alléluia. Continue, continue, continue. Et s'étant retourné dans la foule, il disait, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Regardez un peu. My outfit? Et pour ceux qui sont des leaders, je veux que... For those who are leaders, si tu es leader, je veux que tu fasses if you attention are a leader, pay attention à la fin de cette phrase. To the end of that sentence. Comment les disciples vont réagir? How the disciples are going to react? Et parce que souvent on dit, bon, Because sometimes we say, le chef a parlé. The chief spoke. Il faut qu'on se taise. We need C'est to la stop. Norme. Oui. This is the rule. C'est la norme. This is the rule. Mais ça doit être la conclusion. But it must be the conclusion. C'est très important ce que je suis en train de dire. It's very important. Et beaucoup de gens prennent le commandement dans le monde civil, in the civil world, pour l'introduire dans le monde de Dieu. Into the world of God. Les disciples gardaient leur liberté. The disciples were free. Et Jésus avait besoin d'eux. And Jesus needed them. Et pourtant, Jésus est Dieu. But Jesus is God. Mais il a besoin de But personnes avec qui il peut... vivre l'œuvre de Dieu. Someone with whom he can go through the work of God. Mais regardez comment ils vont répondre. Je peux vous dire que c'est Pierre qui a répondu. But see how they answered. Et au ciel, Pierre, il sera étonné. Il va In dire, heaven, comment tu sais que c'est moi? Peter, be Alors surprised. Je dirai, mais Pierre, je connais ton caractère, moi. And I'll say, I know your behavior. Ses disciples lui disaient. C'est Pierre qui dit. On va continuer, c'est pas grave. Tu vois la foule qui te presse de tout côtés. Oh! Regardez un peu, pharisiens. Listen, brothers and sisters. Mais Jésus n'est pas un gourou. Jesus. Il dit, je ne suis pas venu said, pour être servi, mais je suis venu pour servir. To be served, but Les I disciples serve. Disent à Jésus, The mais pourquoi to Jesus, tu peux nous dire ça? How can you ask that? Mais tu vois pas la foule. Don't you see the crowds? Continue. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Amen. Or la femme, craintive et tremblante, oui. sachant bien ce qui lui était arrivé. Parce que c'est d'une densité extraordinaire. That is, has such a density. Les pertes de sang, c'est comme des menstrues. It's like losing your blood, the period. En général, c'est interdit de toucher le prêtre. It's forbidden to touch the priest. Et parce que c'est considéré comme l'impureté. It's as if you are impure. Mais je reviens sur quelque But chose d'important. I'm coming back to something important. Et je crois que beaucoup de responsables And vous I suivez. Believe that many leaders are following us. Vous ne pourrez pas grandir dans le Saint-Esprit. You will not grow into the Holy Spirit. Si vous ne pouvez pas accepter les remarques de vos If frères. You cannot accept the advice, c'est même pas possible. It's not possible. C'est même pas possible. It's not possible. La force de Jésus. The strength of Jesus. Il était obéissant à son père. He was obedient to his father. Mais en même temps, But at the same time, Jésus était compréhensif à tout ce que les disciples He was understanding to his disciples. Les disciples n'avaient pas Ils ne partageaient pas avec Jésus sa nature divine. We're not sharing the divinity of Jesus. Ils partageaient avec lui sa nature humaine. They were sharing the human nature. Et donc, ils n'ont pas l'intelligence de l'esprit, forcément. So they do not have the intelligence of the spirit. Mais Jésus dit, But Jesus says, qui m'a touché? Who touched me? Et ils disent, mais Seigneur, moi, il y a tellement du monde et tu demandes ça. There is such a crowd and you ask si the question. Si tu veux, mon frère, If you want my brother, grandis dans le Saint-Esprit. To grow into the Holy Spirit. Accepte les remarques de tes frères. Accept the advice of your brothers. Et quand je parle aux leaders, When I speak to the leaders, je leur dis la grâce que j'ai eue. I
tell them the grace I had. C'est d'avoir des frères et des sœurs formidables. To have exceptional brothers and sisters. Qui peuvent recevoir quelque chose. Who can receive something. Et venir me dire. And come and tell me. Dieu nous dit ça pour toi. God is telling this for you. Et qui peuvent me faire des remarques aussi. And you can give me advice. Alors je dis souvent, c'est ça ma grâce, say, ça a été ma force. This was my grace and my de savoir que je n'ai pas des suivers, to know that I don't have people mais j'ai des frères only, et sœurs. But brothers and sisters, c'est très important, frères et sœurs. This is very important. C'était à l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.